Allez, Saros, bonjour. Bonjour. Vous exposez ici, en bord de rivière, à l'abbaye du Valas, pour cette expo Couleurs au jardin. Des couleurs, il y en a autour de nous. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces œuvres? Alors, mon œuvre, l'envol des feuilles, est empreinte de poésie et de fragilité et de légèreté. Elle est en interaction avec le vent, avec les éléments naturels. Et ben, je vais commencer par un petit mot. Une feuille qui tombe en tournoyant, portée par le souffle du vent. Ainsi commence son long voyage. Voilà, c'est l'idée de jouer sur les oppositions, partant avec un vent très doux, comme un peu comme aujourd'hui. Les structures ondulent, la forme centrale la tourne légèrement. Il y a un sentiment de quiétude qui va se dégager. Par contre, par vent fort, ça va plutôt être un sentiment de torture. Les structures vont totalement se déformer. La partie centrale va tournoyer, les couleurs vont se mélanger. Et là, c'est plus du tout le même sentiment. On a un peu peur pour la structure qu'elle se casse, mais ce n'est pas le... On est donc entre bien-être et souffrance en permanence, c'est ça, selon la météo? Tout à fait. C'est cet aspect fragile qui me correspond. Et l'aspect, la cinétique de l'ensemble, va, ainsi que le mouvement des couleurs, donne toujours un effet hypnotique. On peut rester longtemps devant ayant ce sentiment de quiétude, je trouve. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci.